Didn't... Donc, tu as dit que le hadith là où on a dit que Allah descend chaque fois à la nuit pour écouter les prières, on n'a pas traduit ça comme il fallait traduire. Translate. You said earlier today that the hadith that says Allah comes down. Tu as dit aujourd'hui hein, que lorsqu'on dit le hadith qui dit Allah descend From the throne to the lowest heaven, they donc du ciel, du trône au ciel le plus approché. don't Yeah, translate let me. that. Donc tu as dit qu'on n'a pas bien traduit ça. On n'a pas traduit ça. Didn't translate. Non, on n'a pas traduit ça. Didn't translate Allah seat. On n'a pas traduit là où c'est écrit que Allah, il s'assoit, il s'assied. Didn't translate Allah seat. On n'a pas traduit là où on dit que Allah s'assied, il s'assoit. On a chair. Que Allah est assis sur une chaise. In a heaven. Et dans le ciel. So Allah, the hadith from Muhammad came. We have more than 12 ways. Les hadiths ont été racontés. Il y en a à peu près 12 This hadith. à propos de cet hadith. Eight of ways. This hadith is authentic from Muhammad and Ibn Abbas and Umar ibn al-Khattab and Anas ibn Malik. 8 sont authentiques. À partir de Anas ibn Malik, des autres compagnons de Muhammad ibn Abbas. This hadith. Eight of ways of this hadith is authentic from Muhammad and Ibn Abbas. 8 sont authentiques à partir de Muhammad ibn Abbas. Of this hadith is authentic from Muhammad and Ibn Abbas and Umar ibn al-Khattab and Anas ibn Malik. Même Omar a aussi raconté ça et Anas ibn Malik. From Anas ibn Malik one hadith. De Anas ibn Malik, il y a un hadith. From Umar ibn al-Khattab one hadith. De Omar ibn Khattab, il y a un hadith. From all companion, even from Aisha, I can prove it for you. Et tous les compagnons, ils ont aussi raconté le même hadith. Je peux même vous prouver ça même, le hadith de Aïcha. From these books. À propos de ce. Donc, à partir de ce livre ici. So yeah, what the hadith said, Allah he came down Donc, les hadiths disent que Allah descend to world heaven and et il descend dans le ciel inférieur. doing meeting with the prophets Il vient en relation avec le prophète. and the prophet sitting around Allah on the chairs. Ah, il dit que Allah vient. Il vient rencontrer les prophètes. Et Allah est assis sur le trône et les prophètes sont en train d'entourer Allah. And Allah sitting on the chair Et Allah se met sur une chaise in the middle. And au centre. he start to accept. And the prophet sitting around Allah on Et les prophètes sont assis autour de Allah. the chairs. And Allah sitting on the chair in the middle. And he start to accept. Who needs something? Okay, stamp. Et Allah se met au milieu sur une chaise et commence à appeler comme s'il demande qui a besoin de quelque chose. Tu peux te mettre debout et parler? I accepted. Anyone need anything? Come on. Et Allah demande, est-ce que quelqu'un d'autre a besoin de quelque chose? Ok, j'accepte ça. On. I am here. Je suis So là. like a president came to my city. Anyone need anything, guys? Allah, il va se comporter comme un président. Lorsqu'un président vient de la localité, il pose la question, est-ce que quelqu'un a besoin de quelque chose? I accepted. Anyone need anything? Come on. I am here. So like a president came to my city. Anyone need anything, guys? I am here. And he came back to his, his place. Et comme un président, il pose des questions et puis il rentre là où il était venu, d'où il était venu. Allah, he did same. Allah, he came down. Allah, he Allah descend came down from seven heaven, à partir du septième ciel, from the throne. And the throne du trône, le trône même. in Islam is not the throne like in a Christianity. Le trône, lorsqu'on parle du trône dans l'islam, ce n'est pas comme le trône dans le christianisme. No. The Non. throne in Islam is a bed, golden bed. Le trône dans l'islam, c'est
un lit d'or. It's a golden bed. C'est un lit en or. Allah sleep, and huh? Allah. Donc Allah dort. In bed. Allah sleep, and huh? Allah. Yes, trust me, I have. Oui, Allah dort. Il faut me faire confiance. Hadith, I did it in Arabic language. Trust me, I have hadith. I did it in Arabic language. J'ai des hadiths que j'ai reçus et que j'ai travaillé dans la langue arabe. No one sheikh can answer that question. Et il n'y a aucun sheikh qui peut répondre à ces questions-là. So, in Sir al-Halabi, you can see it. I have a book also, I can prove it. Il y a même un autre, le livre là, je peux même te prouver ça. J'ai toutes ces histoires-là. Al-Halabi, you can see it, I have a book. So, in Sir al-Halabi, you can see it, I have a book also, I can prove it. So, Allah, he have a bed and he have a small chair. Donc, Allah a un lit et puis il a une petite chaise. Let me show you the book. Yeah, that's what they say, difference between arsh and kursi, right? Attends, je vais te montrer le livre. Ah, c'est là qu'on dit qu'il y a une différence entre arsh and kursi. Yes, kursi and the difference in arsh. Oui, il y a une différence entre kursi et arsh. Allah, he has a bed and he has a chair. Allah a un lit et puis il a une chaise. The bed for, for what the bed? And the chair for put his feet on the chair. Et vous savez, le lit, ça sert à quoi? Et la petite chaise là, c'est pour que Allah puisse reposer, pour qu'il puisse mettre ses pieds sur la petite chaise. The hadith saying that. Let me just. C'est le hadith qui dit ça. Attends, je vais chercher ça. Bab Majah fi al-Qurash. I can prove it from the book, not from. والكرسي موضع القدمين and حديث الصحيح not from from the book. I start by the book. Attendez, on va faire un petit j'essaie le son, on va faire un petit retour. I can prove it from the book. Je peux le prouver avec les livres. Not from والكرسي موضع القدمين and حديث الصحيح c'est un hadith qui est sahih not from from the book. I start by the book. C'est à partir du livre ici, le livre des hadiths. J'ai commencé à acheter le livre. From the book. I start by the book. Brother, because I see the Muslim now start to, to change and delete. J'ai commencé à acheter le livre puisque j'ai remarqué que les musulmans commencent maintenant à changer et ils commencent même à effacer the hadith from online. Ils commencent même à effacer les hadiths de l'internet. Ils commencent à effacer ça, tout ce qui s'y trouvait en ligne. Right. Change the hadith from authentic to the da'if. Il commence même à changer les hadiths authentiques. Il commence par les remplacer par les hadiths qui sont da'if. Start to, not from, from the book. I buy it. I start by the book, brother, because I see the Muslim now start to, to change and delete. The hadith from online. Il commence à changer, à effacer les hadiths qui sont en ligne. C'est pour cela que j'ai commencé à acheter les livres. Right. Change the hadith from authentic to the da'if. From authentic to da'if. Il commence à changer les hadiths qui sont authentiques par les hadiths qui sont faibles, les hadiths qui sont da'if. Il commence à remplacer ces hadiths-là. So if we open it together, Kitab, the book of Throne from Imam al-Zahabi. Donc, si nous ouvrons ensemble le livre, appelé le trône de l'imam al-Zahabi, on va voir ceci. Authentic book. Let me just pull it up here.
c'est un livre authentique. Attendez, je vais vous montrer ça tout de suite là. Je vais vous le prouver. Bab al-Iman, Bil Kursi. Le livre du trône. La chaise de Imam al-Zahabi. From Imam al-Zahabi, he said, the chair for Allah put his foot. Il dit que la chaise là où Allah met ses pieds. Oh, the al-Qadamain. But the chair for Allah put his foot. موضع القدمين. But let me show you this first. Attends, je vais te montrer ça. I found this. Show you the bed. Je vais te montrer le lit de Allah. The throne is a bed. It's not in Sahih. Le trône, c'est le lit. Let me show it. I will flip the camera. Je vais vous montrer ça. Attends, je vais changer la caméra, la position. Okay. So here, the book is the throne. Et le livre là, c'est le titre, le trône, comme on a écrit là. From Imam Zahabi. De l'imam Zahabi, al-Zahabi. Volume 2. Volume 2. Page number 48. La page numéro 48. Look here. بإسناد صحيح. Regardez là. Cet hadith là, c'est un hadith qui est sahih. بإسناد صحيح. What he said. وأخرج العسال من حديث ثابت البناني بإسناد صحيح وفيه فآتي ربي محمد he will came to Allah فآتي باب الجنة فيفتح لي فآتي ربي تبارك وتعالى وهو على كرسيه أو Saririhi, on his bed. Sur son lit. Le mot là, ça veut dire le lit de Allah. Et maintenant, pour notre audience francophone, les gens qui nous suivent, nous allons vous montrer ça avec beaucoup de preuves. Attendez, on va partir. Je vais vous montrer que le mot là, ça veut dire le lit. On va le prouver. On a beaucoup de documentation. On va partir même dans le dictionnaire arabe. Vous allez voir avec nous. Là, c'est notre numéro pour les gens qui veulent nous contacter pour le débat. On va partir dans le dictionnaire. Voir ce que nous dit le dictionnaire à propos de ce mot-là. Vous allez voir que il s'agit du lit. Le lit de Allah. On va vous montrer de quoi il s'agit, que nous ne sommes pas en train d'inventer quelque chose. Là, c'est le lit d'Allah. Allah a un lit. Voyez ici, ce mot ici, c'est le lit. En français, un lit. Et en arabe, le mot est là, on dit sarir. Sur le lit, c'est sarir. Le mot là. Et c'est le même mot qui est dans le hadith là. Sarir, qui est là. Et puis on va mettre ça même en arabe. Vous allez voir ça. Ça, c'est Google Translate. Ça, c'est le dictionnaire arabe en français. Arabe français. Le mot ici, sarir. Le mot là, c'est sarir. Ça veut dire le lit. Le lit de Allah. Allah a un lit. Sarir. Sarir. Vous voyez le mot. Allah a un lit. Même dans la langue arabe, vous mettez même le mot sarir, le même mot là, sarir, on vous donne même le dessin, la photo du lit. Ça, c'est le lit de Allah. Vous mettez le mot sarir dans la langue arabe, on te donne le mot ici, ça te donne sarir. Et celui qui a dit ça, c'est l'imam là qu'on a dit, Al-Zahabi. Al-Zahabi, c'est un grand imam, Al-Zahabi. C'est le livre que nous sommes en train de lire.
C'est un grand imam, celui qui a même enseigné Ibn Kathir. Vous voyez ici, Ibn Kathir, c'est son élève. Donc, c'est un grand savant. Il est élève de Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah est celui qui a enseigné Ibn Kathir. Il a vécu en 1274. Je vous montre aussi Ibn Kathir. Là, nous avons même Ibn Hajar Asqalani. Ibn Hajar Asqalani, lui, c'est un petit par rapport à Ibn Kathir. Maintenant, tous ces gens-là, ils sont sortis. Ils sont sortis à partir d'Ibn Dhabi, hein, à partir de celui-ci qu'on appelle Ibn Taymiyyah. Là, ce sont les grands savants, les titans de l'islam. Ils ont vécu, ils ont enseigné Ibn Taymiyyah. Ils ont tous enseigné la même chose, puisqu'on va vous montrer les hadiths de tous ces gens ici. Ils sont les élèves de Malik ibn Anas, Anas ibn Malik. Ce sont les titans de l'islam. Ils ont vécu au 8e siècle. Ils ont beaucoup écrit. Ibn Hajar Asqalani, lui, c'est un élève. C'est lui qui a même enseigné celui qu'on appelle Suyuti, Al-Suyuti, Jalalayn. On va partir, Ibn Kathir est là. Je vous donne la liste de tous ces gens ici, puisque pour voir que ce sont des savants de l'islam, pour que vous dire qu'on ne sommes pas en train d'inventer. Ok, nous rentrons très vite à la vidéo pour qu'on puisse continuer à suivre ce qu'on était en train de suivre. Ok, suivez. On va faire un petit retour pour rafraîchir notre mémoire. Le hadith là, on va lire le hadith de Al-Dhahabi. Ok. So here, the book is a throne from Imam Al-Dhahabi. Le livre, c'est le livre appelé le trône de Imam Al-Dhahabi. Volume 2. Volume 2. Page number 48. La page 48. Look here. Voyez-vous? Bi isnadin sahih. L'isnad là, c'est sahih. Bi isnadin sahih. What he said? Authentique. Wa akhraj al-Assal min hadith Thabit al-Banani. بإسناد صحيح وفيه فآتي ربي محمد he will came to Allah. Lorsque Muhammad est parti à Allah pendant qu'il était parti dans son voyage nocturne là, le mirage. فآتي باب الجنة فيفتح لي فآتي ربي تبارك وتعالى وهو على كرسيه أو سريره on his bed. سريره sur son lit. Allah était sur son lit dans cet hadith ici. Muhammad, when he went to the Allah in Muhammad, lorsqu'il est parti à Allah in Isra wal Mi'raj, pendant qu'il était faire le mirage, he came to the door of paradise. Il est arrivé à la porte du paradis. And they opening the door for him. Et on a ouvert la porte pour Muhammad. And he entered to see Allah. Et il est entré pour voir Allah, Azawajal. On a chair or on a bed too. Il était sur donc une chaise et puis sur son lit. فأخر له ساجدا and I will bow down for him. Et je suis parti pour me prosterner devant lui. See the bed? Allah has a bed, not a throne. Voyez-vous, Allah, il a un lit. Ce mot-là, sarir, qu'on a montré, c'est le lit d'Allah, pas un trône. The book talking about the throne. Le livre qui parle à propos du trône est là. And Allah, he has a bed. Et Allah a un lit. If I go, for example, here. Si je descendais ici. Wa lafz al-Bukhari. Vous voyez les commentaires là qu'on a mis de Bukhari. What he said, according to the hadith. Comme Bukhari a dit ça dans le hadith. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عَنْدَ سُدْرَةِ الْمُنْتَهَى دَنَا فَتَدَلَّ He said, Allah, he came down to the Muhammad, and Muhammad, he sees him. Et il dit, Allah est descendu vers Muhammad, et Muhammad l'a vu. When Muhammad, he fly. But lorsque Muhammad était volé, avait volé, il était parti. I'm a try. Let me see if which volume I read it. Just a second, and I will prove it for you, brother. Attendez, je vais te montrer le volume que je suis
que l'autre a dit ici, le volume, et je vais te montrer pour te prouver ça, mon frère. The chair for the Allah. La chaise de Allah. Feet. The chair for Allah feet. Ah, la chaise de pied de Allah, là où Allah met ses pieds. Isn't here? Aqwal al-Sahaba. Ah, c'est dans ce livre ici. Or Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah al-Misri, one of them. Dans l'un de ces livres, attends, je vais te lire ça, même dans le livre de Ibn Taymiyyah qu'on venait de montrer. Isn't here Aqwal al-Sahaba or Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah al-Misri, one of them. L'un de ces livres. By the way, brother, anytime yes, you... Yes, yes, and Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, there you go. Une fois tout le temps que tu veux, chaque fois que tu veux. Yes, yes, and Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, there you go, I found it. J'ai trouvé ça, c'est le livre d'Ibn Taymiyyah. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, al-Asma wa Sifat. Let me put it something here. Attendez, je vais afficher ça. Mm-hmm. And flip the camera. Je vais changer la caméra. There you go. This is the book of the names and attributes of Allah. Ça, c'est le livre de nom, les noms et les attributs d'Allah. C'est ça le titre du livre. From Ibn Taymiyyah. C'est un livre de Ibn Taymiyyah. Son nom est écrit là, Ibn Taymiyyah. Volume 2 also. Volume 2 aussi. Uh-huh. From where? Dar al-Kitab, Lebanon, Beirut. C'est écrit où? À partir de Beirut. There you go. If we go to page number 42. Si nous partons à la page 42. The face of kursi, of chair. Donc, la page de kursi, la chaise. The face of chair. Donc, la chaise, on est en train de décrire la chaise. Muhammad ibn Abba, from the Ahl al-Sunnah, the chair is between the throne hand and the chair for the feet. Donc, la chaise est où? Est partie. On a placé ça entre le trône et là où on met la chaise pour les pieds. So, which means Allah, he will put his feet. Ça veut dire quoi? C'est que Allah va reposer ses pieds on the chair. Sur la chaise. And he gave it the hadith. Et il a même donné le hadith. And Anas ibn Malik, the companion of Muhammad. Anas ibn Malik, le compagnon de Muhammad. He said, Allah he will put his feet on the chair. And he gave it the hadith. And Anas ibn Malik, the companion of Muhammad. Anas ibn Malik, he said, الذي فيه التجلي يوم الجمعة. Anas ibn Malik est en train de raconter ici. Il dit. And he gave it the hadith. And Anas ibn Malik, the companion of Muhammad. Anas ibn Malik. Tu veux ce que Anas ibn Malik est en train de dire? He said, الذي فيه التجلي يوم الجمعة, the day of a Friday. Le vendredi. فإذا ذهب فإذا كان when the day of a Friday, Allah he will come down. Le jour du vendredi, Allah descendra, il descend. Allah, he will come down. Allah descend. From his throne. À partir de son trône. To the chair. Il descend vers la chaise. To the chair, on our heaven. Allah, il descend vers sa chaise, dans notre ciel. And, see, and around the chair. Et autour de la chaise. Shuyani Muhaffafa, Babylon, you are here? Hey, Habibi. Babylon, est-ce que tu es là? Tu as l'écran? Oui, oui, je suis là. Hold on. Let me, one second. Donne-moi une seconde, je vais afficher à Babylon. Let me figure this out. Yeah, go ahead, Babylon, you here? Shuyani. Babylon, est-ce que tu es là? OK. El Kursi Hawale Jawahir. It's like... got beautiful jewelry all the way
C'est-à-dire quelqu'un avoir des bijoux, ça c'est Babylone qui parle. Il comprend aussi arabe. حواليه جواهر. It's like got beautiful jewelries all the way around the chair. Around. Ah, donc il y a des bijoux comme des beaux bijoux, des ornements d'or, des perles, des pierres précieuses autour du trône. On the chair. Yeah. Yes. And the angel, the prophets, they will come and sitting around Allah. Et les prophètes viendront et ils vont se mettre autour de Allah. So the prophets will be sitting around Allah. Allah's on a chair that's surrounded with jewelry all around the chair. Donc je veux dire, les prophètes, ils seront assis autour de Allah et Allah, il est assis sur une chaise qui est embellie de bijoux, de pierres précieuses. Yes. Oui. And where was this from? Tu as dit que cet hadith ici, c'est écrit dans quel livre? This is, let me show you again. Attends, je vais te montrer encore. This is from Kitab al-Asma' wa-Sifat for Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah, the names and the attributes of Allah. Ça, c'est le livre de Ibn Taymiyyah, les noms et les attributs de Allah. This is, let me show you again. This is from Kitab al-Asma' wa-Sifat for Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah, the names and the attributes of Allah. Volume 2. Volume 2. Page number 42. Page 42. There you go. Okay, so you're not lying. And Ibn Taymiyyah. Ah oui, cela montre que tu ne mens pas, puisque Ibn Taymiyyah is one of the most. Even. C'est l'un des grands. Hein? Is one of the most. Even the student. Right? Even the student of Ibn Taymiyyah, also Imam al-Daraqutni, he said something. Même l'étudiant, l'élève même de Ibn Taymiyyah a aussi dit quelque chose de pareil. Of Ibn Taymiyyah, also Imam al-Daraqutni, he said something. Something. Ah, il a dit la même chose. Même son élève, l'élève de Ibn Taymiyyah, il a dit la même chose. Same thing, sorry, same thing. He said same thing. Ah, je m'excuse. Donc, il a dit textuellement la même chose, similaire. The student of Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah also he said same thing. Son élève aussi a écrit, il a dit la même chose. And even Imam Ahmad. Même l'Imam Ahmad a aussi dit la même chose. Imam al-Bayhaqi. I have one book is really dangerous. Même beaucoup d'imams ont dit ça. Et j'ai un livre qui est vraiment dangereux. I will send it to you PDF. Je vais t'envoyer ça en PDF. Ça sera en PDF. Donc, en format de papier qu'on appelle PDF. En français, je ne sais pas comment on appelle ça, mais PDF. Please. His name, the proof, the limited of Allah on a chair. Dans ce livre-là, il a écrit, il a même donné les contours et les limites. Les limites de Allah sur cette chaise-là. So the proof that Allah is limited to the chair. Yes. Donc tu veux dire que la preuve que Allah est limité à cette chaise-là. Oui. And Allah sitting physically on the chair according Ahl Sunnah wa Jama'a. Et Allah, il est confiné à cette chaise-là. Il est assis sur cette chaise-là physiquement. D'après le Sunnah al-Jahama. So the proof that Allah is limited to the chair. Yes, and Allah sitting physically on the chair according Ahl Sunnah wa Jama'a. Al Sunnah al Jama'a. C'est écrit dans ce hadith là. On a donné ces preuves là. Who wrote it? Yes. Qui a écrit ça? Oui. I have it PDF. Qui a écrit ça? Who wrote it? Let me show you. Tu dis, qui a écrit ça? Attends, je vais te montrer ça. Who wrote it? Let me show you. Let me prove it on the camera. Je vais prouver ça devant la caméra. Okay, let me put you up. I will prove it on camera. Je vais prouver ça devant la caméra.
I use it on my when I did the isbat too. Yeah, kitab isbat. J'avais utilisé ça lorsque j'avais fait l'autre lecture là. Isbat al-hadd lillah, there you go. Yeah, kitab isbat al-hadd lillah, there you go. C'est ça le titre du livre. Yeah, kitab isbat al-hadd lillah, there you go. Uh-huh. Let me pull it up. From his book, used authentic hadith. J'ai prouvé ça. Dans son livre, il utilise les hadiths authentiques. According Imam Ahmad. D'après l'imam Ahmad. And Imam Ibn Taymiyyah. Look. Et l'imam Ibn Taymiyyah. Regarde ça. Isbat al-haddulillah. Prove that Allah limited. La preuve que Allah est limité. And he's sitting on the chair. Et il s'assoit. Il est assis sur la chaise. On a throne. Sur le trône. From al-Hanbali, he is Hanbali. De Hanbali, il est Hanbali. Mazhab. Abu Muhammad Mahmoud Mazhab. Abu is Hanbali Mazhab. Abu Muhammad Mahmoud ibn Abi al-Qasim al-Dashti. He is Hanbali. Il est Hanbali. And from also Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah from book Bayan Talbis al-Jahmiyyah. Ça sont les styles donnent là. He answering the Jahmiyyah, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Il est en train de répondre al-Jahmiyyah, Imam Ibn Taymiyyah. Al-Rad ala munkiri al-Had. So however who said, Allah is not limited, they're answering about him here. Maintenant, les gens qui doutent que Allah n'est pas limité à cette chaise-là, ces gens sont en train de répondre ici. And there is a book. Et il y a un livre. See? Voyez-vous? It's dangerous book. He using. C'est un livre dangereux. Il a utilisé. He using authentic hadith. And il a utilisé les hadiths authentiques. Explain it everything from this book. Il a expliqué toutes choses dans ce livre. For example. He gave you what the meaning in Arabic language limited. Et il te donne même la signification du mot limité en arabe. Limited meaning someone limited between two things. Lorsqu'on parle de limité, c'est quelqu'un qui est limité entre deux choses. And he proved Allah limited on the chair. But et il prouve, il dit que Allah est limité à sa chaise. Between hand of chairs. Entre les deux bouts de la chaise. But, I need that book, please send it, because I would have people start translating in English, because we need to make it available for people in English. Ah oui, hein, on aura besoin de ça pour traduire ça, mettre ça en anglais, tout ça, tout ce que tu es en train de dire, tout ça. Yes, and donc nous avons besoin de tout ça. Also, Muhammad, he will sit beside Allah on a chair. Et Muhammad lui-même, il dit qu'il était assis à côté de Allah sur une chaise. And the Quran, he will sit beside Allah on a chair. Et le Coran aussi sera assis sur une chaise à côté de Allah. But let me tell you something funny, brother. Attends, je te raconte quelque chose de vraiment drôle. Something funny. Quelque chose de drôle. Do you know the day of resurrection, what's happening? Est-ce que tu sais ce qui va se passer le jour de la résurrection? The day of resurrection, the angel of death, he will kill everybody. Le jour de la résurrection, l'ange de la mort, il va tuer tout le monde. Even the angels, however, those holding Allah's throne. Et il va même tuer même les anges là qui portent le trône de Allah. He will kill him. They will be die. Il va les tuer. Ils seront morts. And after that, they were reigning from Allah's throne 40 days, semen of a man. Et après cela, il y aura une pluie de spermatozoïdes, une pluie de sperme. La pluie là va descendre à partir du trône de Allah. La pluie de sperme va tomber pendant 40 jours. On va réjouir ça. The angel of death, brother, something funny.
Do you know the day of resurrection, what's happening? Tu sais ce qui s'est passé le jour de la résurrection? The day of resurrection. Le jour de la résurrection. The angel of death, he will kill everybody. L'ange de la mort va tuer tout le monde. Even the angels, however those holding Allah's throne, he will kill him. They will be die. Et l'ange va tuer même les anges qui portent le trône d'Allah. Il va les tuer, ils seront morts. And after that, they were reigning from Allah's throne 40 days, semen of a man. 40 days, they were running. Il y aura une pluie de sperme des hommes qui va tomber pendant 40 jours. Pendant 40 jours. That they were reigning from Allah's throne 40 days, semen of a man. 40 days they were running. And from this semen, et à partir de ce sperme là, Allah, he will raise up again the bodies. Allah va maintenant ressusciter les corps morts. A semen? Tu dis le sperme? Yes. Oui, le sperme. Of, and where does the semen come from? It's not from Allah? Et ce sperme-là, le sperme, ça vient d'où? Ça ne vient pas d'Allah? Ça vient d'où? My question, I ask it and I prove it. C'est la question que je pose. Je peux prouver ça. Look, the funny thing, brother, you will laugh. In Arabic language, we did that always. Attends, je vais te montrer quelque chose. On a toujours fait ça en arabe. Je vais te montrer ça. So we have a lot of hadith about Muhammad, he's LGBT. Donc nous avons beaucoup de hadiths là où Muhammad lui-même, il est LGBT. LGBT, cela veut dire les homosexuels. My question, I ask it and I prove it. Look, the funny thing, brother, you will laugh. In Arabic language, we did that always. On a toujours dit ça dans la langue arabe. So we have a lot of hadiths about Muhammad, he's LGBT. Donc Muhammad, il est LGBT. Cela veut dire homosexuel. LGBT. So we have a lot of hadith about Muhammad, he's LGBT. From the beginning, when he was child. Depuis son enfance, lorsqu'il était encore un petit enfant. Abu Talib, his uncle, he did. Son oncle, Abu Talib. Dingy dingy with him in a bed. So we have a lot of hadith about Muhammad, he's LGBT. From the beginning, when he was child. Abu Talib, his uncle, he did dingy dingy with him in a bed. Son oncle a eu des rapports avec lui dans son lit. Abu Talib, I can prove it. Abu Talib a fait ça. Je peux le prouver. Authentic hadith. Un hadith authentique. He asked one day, he was, Muhammad, he was 8 years old. Muhammad, à cette époque-là, il avait 8 ans. Abu Talib, he one day, he told him. Et Abu Talib, lui a dit, un jour, il lui a dit. Before he founded Halima Saadia, and yeah. So he told him, Muhammad, come to my bed. Il a dit à Muhammad, il a dit, viens dans ma maison, sur mon lit. Take off your clothes. Et enlève tes habits. And come to my bed. Et viens sur mon lit. And Muhammad, he said, I feel shy. Et Muhammad dit, ah, je ne me sens pas bien. Il était frustré. But I take off my clothes. Ah, mais quand même, j'étais gêné. Il était gêné, mais il dit, mais j'ai enlevé mes habits. And I sleep in his lap. Et je me suis mis sur son giron. Under his bed. Et sur son lit. And Abu Talib, what he said. Et qu'est-ce que moi, Abu Talib a dit? Abu Talib a dit? And Abu Talib, what he said. Wow, Muhammad, he's so soft. Elle a dit que, en tout cas, Muhammad a un bon corps. What? What are you talking about? Quoi? Tu parles de quoi? After that, we have one hadith. I don't know if you heard it about it. Et après cela, il y a un autre hadith. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Zayd. Muhammad, he said, one day Muhammad, he came to his bedroom. Zayd. Un jour, Zayd est parti à la chambre de Muhammad.
Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cet hadith. After that, we have one hadith. I don't know if you heard it about it. Zayd, Muhammad, he said, one day Muhammad, he came to his bedroom. And Aisha, she said the hadith. C'est Aisha lui elle-même qui raconte cet hadith ici. Muhammad, Zayd, he came to Muhammad's bedroom. He knocked at the door. Zayd est venu à la porte de Muhammad, à la chambre. Il a frappé à la porte. And Muhammad, he opened the door naked. Et Muhammad a ouvert la porte. Muhammad était nu. Muhammad naked. Muhammad était nu. Opened the door for him. Il a ouvert la porte pour Zayd. And he hugged him. And et il a embrassé Zayd. Opened the door for him. And he hugged him and kissed him. Il a embrassé Zayd et puis l'a baisé. And Aisha, what she said, I never see Muhammad after that naked. Et qu'est-ce que Aisha dit? Aisha dit que je n'ai jamais vu Muhammad nu après ce jour-là. Filthy religion, man. So, c'est une religion trop sale. Yes, I said, we have a lot of hadith about this, but. Oui, j'ai dit, on a beaucoup de hadiths à propos de ça. I said when I read this story, I said for the audios in Arabic speaker. I said, I'm okay. J'avais dit ça, lorsque je parlais de ça, j'ai dit ça dans les notes vocales audio à l'interlocuteur arabe. J'ai dit ceci. Sorry, I said for the audios in Arabic speaker. I said, I'm okay. For that, the semen of man's coming from Allah's room because Muhammad sitting beside Allah. Il a dit, ok. Je lui ai dit que, en arabe, je lui ai dit que le sperme va sortir du trône de Allah. Puisque Muhammad, il est assis sur le trône, à côté même de Allah. Sur la chaise, à côté de Allah. Donc tu penses que cela vient de Muhammad. For that, the semen of man's coming from Allah's room because Muhammad sitting beside Allah. Le sperme des hommes qui va sortir. Cela veut dire que c'est le sperme que, puisque Muhammad est assis à côté de Allah. So you guys, I want you to hear what he said. Allah will resurrect the dead by sperm. I can prove it. Donc, vous écoutez ce qu'il a dit? Il a dit que Allah va ressusciter les morts par le spermatozoïde, le sperme. Sperm, guys. Par le sperme. Allah is going to cause someone a sperm on the dead and from that sperm raise them back to life. Donc Allah va faire pleuvoir le sperme sur les morts et les morts vont ressusciter, retourner à la vie. Whose sperm? He's thinking it's Muhammad because he's going to be on the throne. Le sperme de qui? Il pense que ça peut être le sperme de Muhammad, puisque Muhammad sera aussi assis là. Because the chair will be tied. The chair will be tied. Muhammad knee, there will be touched Allah knee. Puisqu'on a dit, les chaises là seront liées. Lorsque Muhammad sera assis, les genoux de Muhammad vont toucher les genoux de Allah. Let me show the hadith. Attendez, je vais vous montrer cet hadith là. Yes, let me put. وينزل مطر كماني الرجال. Let me pull it up PDF from Maktab al-Shamla. Je vais vous montrer le PDF de cet hadith là. Islamic website de Shamila. Un site Internet islamique. They were raining 40 days. Semen of man's. Il y aura eu, donc, le sperme va pleuvoir. Il y aura une pluie de sperme des hommes pendant 40 jours. Wayanzil Matar Kemeni Arrijal. قال ابن مسعود يس
There you go. Bidai al-hidayah ila bulugh an-nihaya. C'est ça le titre du livre. On va vous montrer ça. On a toutes ces copies en français. On va vous montrer ça tout de suite là. Ila bulugh an-nihaya. The book name, let me show you the book name. Attends, je vais vous montrer le nom du livre. There you go. Kitab al-Hidayah ila bulugh an-nihayah. C'est ça le titre du livre qu'on a remontré à l'écran là. Kitab al-Hidayah ila bulugh an-nihayah from Makki ibn Abi Talib. Part 4, page number, let me, 412. La page 412. According tafsir Surat al-A'raf 57. Là, c'est le tafsir de la sourate 7, verset 57. C'est le tafsir de la sourate 7, verset 57. On va vous montrer ça. Here said, Qala ibn Mas'ud. Là, c'est Ibn Mas'ud qui est en train de raconter ça. Un compagnon de Muhammad. Look, Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud, he said that. C'est Abdullah ibn Mas'ud. Qui est en train de raconter ça. قال ابن مسعود يرسل الله ماء من تحت العرش كمني الرجال. Boom. Like semen of men. Let me comme le sperme des hommes. Yeah, come again. Let me come again. Let me come again. Attends, je vais répéter ça. قال ابن مسعود يرسل الله ماء. Allah he will send the water. Il va envoyer une pluie. De l'eau. From under his throne. Qui viendra en dessous de son trône. Like semen of men. Et ça sera comme la pluie, c'est comme le sperme des hommes. وليس من بني آدم خلق الأرض. All of them die. Et tous ceux qui sont morts, les morts. إلا منه شيء. قد بقي في الأرض and they will Allah raise his bodies. Et Allah va ressusciter leur corps, le corps de ceux qui sont morts. And his meat from it. Et il va faire tout ce qui sont fait à partir de ça. And he gave it the surah, the verse from Quran, كَذَلِكَ. Et il donne même la sourate là du Coran. À propos de cet hadith, sourate 7, verset 57. Nukhriju al-mawta la'allakum tazkurun. And even Abu Sa'id al-Khadri also, same thing. Et Abu Sa'id al-Khadri a aussi répété la même chose. So here, according Ibn Mas'ud, this is shamila.com, shamila.ws. Et ça, c'est Ibn Mas'ud. Et le site là où on a tiré ça, c'est le site qu'on a écrit là, shamila.ws. Islamic website, guys. C'était un site internet islamique. See? It's Islamic website. Let me show you something. And attends, je vais vous montrer quelque chose. I will try to translate. Let me forward it to Google Chrome. Je vais essayer de traduire ça avec Google Chrome. Google Chrome can translate it, I think. On peut traduire la page. Yes. Oui. This is the book in English, the book of guidness. Et le titre du livre là est en anglais. C'est le livre de guidance, donc pour guider les gens. To reach the end. Pour atteindre la fin ou bien atteindre le but. Part 4, page 412. Page 412. Let's go to Ibn Mas'ud. Allons vers Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud said, Ibn Mas'ud a dit, God sent the water from under the throne. Dieu enverra donc de l'eau en dessous de son trône. As
as the semen of man. Comme le sperme des hommes. As the semen of man. Comme le sperme des hommes. Masha Jesus, brother. Masha Jesus. Masha Jesus. Masha Jesus. And there is no human being created on earth except some of it. And he gave it the verse in Quran. See? Et donc, il dit qu'il n'y a aucun parmi les gens qui étaient créés sur la terre. Tous ceux qui sont morts, ils sont ressuscités à partir de ce sperme. Et il donne le verset même dans le Coran. Et pour cela, attendez, je vais vous montrer le verset là dans le Coran pour notre audience francophone, vraiment. Je vais vous donner le verset du Coran qui parle de ça. On y va. Ah, c'est le verset ici. Le verset sourate 7. La sourate 7, verset 57. Ça, c'est comme ça que Muhammad lui-même expliquait ça. Ça le, il dit que celui qui envoie les vents comme une annonce de sa miséricorde, puis lorsqu'il transporte une nuée lourde, nous la dirigeons vers un pays mort de sécheresse, puis nous en faisons descendre l'eau. Donc, il dit qu'il fait descendre de l'eau. Ensuite, nous en faisons sortir toute espèce de fruits. Comme l'eau de pluie descend, Allah est en train de raconter lui-même comment est-ce qu'il fait descendre la pluie, tout ça. Et puis, la pluie, là, lorsque ça tombe, ça fait faire sortir toute espèce de fruits. Et Allah dit ceci. Ainsi, c'est de la même manière. Il dit, c'est ainsi que nous ferons sortir les morts. Allah dit que c'est de la même manière. Lorsque l'eau va tomber sur la terre, cette eau-là va ressusciter les morts. Peut-être vous rappellerez-vous. Maintenant, Allah va faire ressusciter les morts par l'eau. Il dit que c'est de la même manière que cette eau ici fait pousser les fruits. Maintenant, cette pluie-là, cette eau, va ressusciter, faire sortir les morts. Donc, ainsi ferons-nous sortir les morts. Il dit que nous ressusciterons ainsi les morts. C'est de la même manière. Il y aura une pluie qui va descendre. Il dit, c'est ainsi que nous ferons sortir les morts. Ils sont en train de clarifier. C'est Muhammad lui-même qui a expliqué ça. Il dit que c'est ainsi. Cela veut dire, de la même manière, nous ferons sortir les morts. Il dit, c'est ainsi que nous ferons sortir les morts, par une pluie. Maintenant, Muhammad lui-même va expliquer la pluie là, c'est quoi? C'est quel genre de pluie? Lorsque ça va tomber, ça va faire émerger les morts, comme on a écrit ici. Maintenant, on va partir. Le site internet là qu'on disait, c'était chamila.s. Le site internet est là, c'est disponible. Chamila.s pour les gens qui lisent arabe. Vous pouvez changer à la page. En arabe, c'est le site internet là. Si vous cliquez là-dedans, en arabe, on va vous donner la page. La page est là. La page est en arabe. Des livres, tout ça, vous pouvez partir là pour lire. Chamila.s. OK. On retourne maintenant pour voir. Lorsque Allah dit que c'est ainsi que nous allons faire sortir mort par cette eau, on va voir maintenant les savants. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On commence d'abord par celui-ci. Celui-ci, ça c'est son nom, c'est qui? On va chercher le nom de ce savant. Ça c'est Tabari. Vous voyez le nom de Imam Tabari, le grand historien et le grand tafsir. Il est en train de parler de cet hadith-là. C'est la sourate Al-Arab 57. La sourate 7, verset 57, il dit, nous avons fait descendre de l'eau avec elle et nous avons fait sortir toutes sortes de fruits. C'est ainsi que nous faisons sortir les morts afin que vous vous souveniez. Maintenant, Tabari a expliqué cet hadith-là. Il a expliqué donc la sourate
puisque lui c'était parmi les tafsirs, et puis donc l'un des plus grands, le plus ancien de tous. Il dit ceci. C'est un long hadith. D'après ce que nous avons dit à ce sujet, les gens d'interprétation ont dit, mentionné ce qu'il a dit. Muhammad ibn al-Hussein m'a dit, Ahmed ibn Mufadal nous a dit, il a dit, Asbad nous a dit sous l'autorité d'Al-Soudi, et ainsi nous ferons sortir les morts afin que vous vous souveniez. Là, c'est les gens, tous ces gens-là, c'était des grands savants et les compagnons de Muhammad, ils ont raconté. Même Abu Hurayra, qui était un compagnon de Muhammad, compagnon, c'était un esclave juif qui avait rejoint l'islam pour fuir la pauvreté. Il raconte ça lui-même. Abu Hurayra a dit, si les gens meurent au premier souffle, il pleuvra sur eux de l'eau sous le trône. L'eau va sortir du trône d'Allah pour ressusciter les morts. Et cette eau, ça sera l'eau des animaux. L'eau des animaux, c'est quoi? C'est les spermatozoïdes. Et ça va tomber pendant 40 ans. Donc, l'eau va sortir à peu près sous le trône pour ressusciter. Si les gens meurent, ça c'est Abu Hurayra qui a dit ça. C'est Abu Hurayra qui a raconté. Il dit que c'est ainsi qu'on fait sortir les morts. Sourate 7, verset 57. Les musulmans, ça fait vraiment pitié. Ils ne connaissent pas ces histoires. Ça fait vraiment pitié. Ça fait vraiment pitié. Hein? Et il va descendre là. Ils vont même commencer à dire que oh, Abu Hurayra, tu as dit 40 jours. Ça sera pendant 40 jours ou bien ça sera pendant 40 mois ou bien ça sera pendant 40 ans. Donc, il commence à demander, la pluie là, des spermes va tomber pendant combien de temps? On a posé des questions. Et Abu Hurayra nous confirme ici que le spermatozoïde, c'est ce qui va ressusciter l'eau des animaux. Il pleuvra sur eux de l'eau sous le trône, sur les gens qui sont morts, les gens qui sont morts. Allah va les ressusciter. Qui a dit ça? Ça, c'est Tabari. La première personne, Al-Tabari. On a un autre témoin. Celui-ci, il s'appelle Al-Baghawi. Je vais vous montrer qui est-il. Ça, c'est Al-Baghawi. Al-Baghawi, la même sourate 7, verset 57, ils sont en train d'expliquer. Nous avons donc fait descendre de l'eau avec elle. Et nous avons fait sortir toutes sortes de fruits. C'est ainsi que nous faisons sortir les morts afin que vous vous souveniez. Maintenant, c'est expliqué par qui? Al-Baghawi. On va vous montrer qui est Al-Baghawi. C'est un grand savant. Il est là, Al-Baghawi. C'est un grand savant. Il est né en 433 de l'ère islamique. C'est lui le grand savant. Tous ces gens, les autres savants, ils sont venus après lui. Ce sont ses élèves, les gens comme les Ibn Kathir et les autres là. Ils sont venus après celui-ci. Ça, c'est le grand maître, Al-Baghawi. Il a enseigné beaucoup de gens. C'est le grand maître. Maintenant, on va lire ce qu'Al-Baghawi a dit. Al-Baghawi est en train de parler ici. Il va nous montrer la sourate là. On va voir comment est-ce qu'il va expliquer ça. Ce sont les gens qui ont appris l'islam à partir de Muhammad. Alléluia. Voyez-vous, on va partir là. C'est un long hadith. On va pas commencer à partir d'où? Ok. Il dit ceci. Par ce pays mort, l'eau signifie la pluie. Ainsi, nous faisons sortir avec elle tous les fruits. C'est ainsi que nous faisons sortir les morts. La renaissance de la terre après sa mort a été déduite par la renaissance de la mort. Vous vous souvenez peut-être. Maintenant, écoutez. Abu Hurayra. Non. Ça, vraiment, il me faut agrandir ça. Est-ce que vous voyez bien? Je dois bien agrandir ça pour que tout le monde puisse bien voir.
pour qu'il n'y ait pas d'excuse. Celui qui a dit, qui est en train de parler ici, son nom c'est Al-Baghawi. Al-Baghawi, qui est en train de parler là, un grand savant. Ok, on va maintenant descendre pour vous montrer. Abu Hurayra, un compagnon de Muhammad, et Ibn Abbas, qui était cousin même de Muhammad, ils ont dit, si tous les gens sont morts du premier coup, Dieu a envoyé sur eux une pluie, comme le sperme des hommes. Comme le sperme, Dieu a envoyé une pluie, comme le sperme des hommes, de l'eau sous le trône, appelée l'eau des animaux. Alors, ils font pousser des plantes dans leur tombe jusqu'à ce que leur corps soit complet, l'esprit leur est insufflé, puis le sommeil, ils dorment, puis ils sont recueillis avec le second coup, tout ça. Donc, il est en train d'expliquer comment est-ce que la résurrection des morts va se faire. Il parle de il y aura une pluie comme la pluie de sperme. Et la pluie de sperme, là, c'est ce qu'on a appelé sous le trône. Il y aura une, comme le sperme des hommes, de l'eau sous le trône, appelé l'eau des animaux. C'est ce qu'on a vu dans Tabari. Tabari qui a aussi parlé de ça. Ça, c'est Imam Tabari qui a parlé aussi de l'eau des animaux. Il a aussi parlé de la même chose. Abu Hurayra a dit, si les gens meurent au premier souffle, il pleuvra sur eux, sous le trône, appelé une eau qu'on va appeler l'eau des animaux pendant 40 ans. Et c'est confirmé qu'il y aura une pluie de sperme. C'est comme ça qu'Allah va ressusciter les hommes. Ça, c'est raconté par Tabari. On a vu Al-Baghawi. Et puis, il y a même celui-ci, Tabari. Tabari, c'est un grand historien. Al-Tabari. Grand savant de l'islam. Al-Tabari, c'est un grand savant incontesté de l'islam. L'un des plus anciens. L'un des plus anciens. Il a beaucoup écrit. Il a beaucoup écrit. Riche. Tabari. Donc, on vous a montré la signification de cette sourate ici. Comme Muhammad lui-même l'a expliqué avec ses compagnons. La sourate 7 au verset 57. Hein? Il a dit, nous en ferons sortir toute espèce de fruits. Ainsi, c'est ainsi que nous ferons sortir les morts. C'est de la même manière. C'est Muhammad qui a expliqué ça. Et c'est ce que notre frère ici était en train d'expliquer dans la vidéo. Et on continue maintenant pour terminer la vidéo à la fin. On va terminer en beauté. Suivez la vidéo. La vidéo est là. Earth except sun is no human being created on earth. Là, c'était là où on était. Except sun of it. And he gave it the verse in Quran. Et il donne le verset du Coran qu'on venait de lire. See? Voyez-vous? They were raining semen of men from under the throne. Il y aura une pluie de sperme des hommes qui va sortir du trône. But we have also another hadith. Let me double check. How many years? On a un autre hadith. Attends, j'ai vérifié ça. Qui parle de combien d'années ça fera? 40 years. Ça sera. D'autres, il dit 40 ans. Let me double check to find it. Attends, j'ai vérifié ça pour trouver ça. One hadith 40 days and the other hadith 40 years. Il y a un hadith qui dit ça sera 40 jours. L'autre dit ça sera 40 années. They were raining. Semen of men. Et il y aura la pluie. Donc la pluie va tomber, la pluie des spermes des hommes. Anyway, brother, send me that. By the way, send me that link on Skype so I can then use Google Translate.
Mon frère, est-ce que tu peux m'envoyer le lien là? Et je vais essayer de traduire ça en utilisant Google Translate. Because I want to yes, I can. Oui, puisque je vais en tout cas partager ça. Yeah, I can send those links for you. Oui, oui, je peux envoyer ce lien là. Je peux t'envoyer ce lien. A brother. In Tafsir al-Nasfi and Tafsir Ibn al-Uthaymeen and in... Ah, mon frère, ok, il y a d'autres tafsirs ici. Tafsir, Tafsir al-Quran also, you can find that those, this story. Même dans le Tafsir al-Quran, vous pouvez trouver toutes ces histoires-là. Yes, and yeah, so they will reign semen of man from under the throne. Donc, il y aura une pluie de sperme des hommes qui va sortir du trône. The day of resurrection, 40 days. Le jour de la résurrection pendant 40 jours. Mashallah, Jesus. Mashallah, Jesus. Why semen of man specifically? I can tell you why. Pourquoi les spermes des hommes? Je vais te dire le pourquoi. In the book of biography of Muhammad. Dans le livre de la biographie de Muhammad. From Burhanuddin al-Halabi, volume 2. Le volume 2 de ce livre-là. Man, specifically. I can tell you why. In the book of biography of Muhammad from Burhanuddin al-Halabi, volume 2, he said literally. Et c'est écrit ici dans le livre-là de biographie de Muhammad, volume 2. When Muhammad fly to seven sky to meeting with Allah on. Lorsque Muhammad était parti, il avait volé pour partir au septième ciel pour aller rencontrer Allah. Hi, to seven sky to meeting with Allah on back of Burak. Lorsque Muhammad avait volé, il était monté sur un cheval qu'on appelait Burak. Lorsqu'il était parti au septième ciel. And he passed the tree, Sidrat al-Muntaha. Il a passé les arbres, même le Sidrat al-Muntaha. He passed the tree and he saw a golden bed. Et Muhammad est parti, il a dépassé cet endroit-là et il a vu un lit en or. And he passed the golden bed. Il a passé ce lit-là en or. Become near some door and he heard voice from inside. Il est arrivé tout près d'une porte. Il a entendu le bruit à l'intérieur de la maison. Oh, Muhammad, stop. Your Lord is praying. Et on a dit à Muhammad, arrête-toi, puisque ton Seigneur est en train de prier. And Muhammad, he's thinking in himself. He said. Et Muhammad, qui pensait à l'intérieur de lui-même, il s'est dit. Oh, what Abu Bakr doing here before me? Muhammad s'est dit, mais qu'est-ce que Abu Bakr est en train de faire ici avant moi? Abu Bakr, he's in Allah's bedroom before Muhammad is traveling to Allah in Isra wal Miraj. Maintenant, Abu Bakr, il est dans la chambre de Allah avant même que Muhammad ne puisse voler dans le mirage pour aller au septième ciel. So what Abu Bakr doing in Allah's bedroom? That's my question. I ask in Arabic language. Mais là, qu'est-ce que Abu Bakr faisait dans la chambre de Allah? Et j'ai posé cette question là en arabe beaucoup de fois. Allah's bedroom. That's my question. I ask in Arabic language. No sheikh answer. So why Abu Bakr in Allah's bedroom? J'ai posé la question ça à mes imams, le sheikh arabe. Qu'est-ce que Abu Bakr faisait dans la chambre de Muhammad? Dans la chambre de Allah. Et ils ne m'ont pas répondu. Sir. So why Abu Bakr language? No sheikh answer. Why in Arabic language? No sheikh answer. Muhammad is traveling to Allah in Isra wal Miraj. Muhammad qui a effectué un long voyage pour aller là, mais pour trouver que Abu Bakr était là avant lui, dans la chambre de Allah. So what Abu Bakr doing in Allah's bedroom? That's my question. Qu'est-ce que Abu Bakr faisait dans la chambre d'Allah? I ask in Arabic language. No sheikh answer. So why Abu Bakr in Allah's bedroom? And how Allah praying? Physical praying?
J'ai posé la question à tous les sheikhs. Ils n'ont pas pu me répondre en arabe. Et puis qu'est-ce qu'Abou Bakar faisait là? Et comment est-ce qu'Allah priait? Et Allah priait physiquement. Because he don't want Muhammad cut Allah prayer. He said, stop. Your Lord is praying. If you want, give me 1 minute, I can bring the book. Ils n'ont même pas permis que Muhammad puisse couper, interrompre la prière d'Allah. Ils ont dit à Muhammad, oh attends, ton Seigneur est en train de prier. Si tu veux, je vais te montrer le livre tout de suite là, l'épreuve. Praying because he don't want Muhammad cut Allah prayer. He said, stop. Your Lord is praying. If you want, give me 1 minute, I can bring the book from inside and show the hadith. Si tu me donnes 1 minute, je vais partir et t'amener le livre. Si tu me donnes 1 minute, je vais te montrer le hadith. Okay, just 1 minute. I'm coming. Donne-moi 1 minute, je reviens. Okay. Let me put so, brother, this is the book of biography of Muhammad for Burhanuddin Halabi. Ça, c'est le livre dont je parlais, le livre de biographie de Muhammad. Name Sir al-Halabi. Volume 2. Volume 2. From which library? De quelle imprimerie, librairie? Beirut, Dar al-Ma'rifa. Beirut. If I go to page number 128. Page 128. Look crazy here. C'est drôle ici, c'est fou. Crazy hadith. Un hadith fou. Il y a de la folie ici. The history of Sheikh Al-Aini, he explained Al-Bukhari. An Muqatil. Le Sheikh est en train d'expliquer Al-Bukhari, suivez. Al-Bukhari. An Muqatil, the companion of Muhammad. Le compagnon de Muhammad. Muqatil bin Hayyan. Qala. انطلق بي جبريل محمد he said محمد ادي جبريل he take me till we be near انتهى الى الحجاب الاكبر I be near the last wall il dit جبريل m'a pris il m'a accompagné jusqu'à ce que nous sommes arrivés tout près du dernier mur حجاب الاكبر عند سدرة المنتهى beside the tree Donc, à côté de cet arbre-là, de l'arbre. And Jibril, he said, oh, Muhammad, go. Et Jibril m'a dit, ok, Muhammad, maintenant tu peux avancer, tu peux partir. I can't go with you. And I see the golden bed. Et Jibril lui dit, je ne peux plus continuer à marcher avec toi, Muhammad, vas-y. Et Muhammad dit, je vis le lit en or. And Jibril, he said, oh, Muhammad, go. I can't go with you. And I see the golden bed. عليه فراش من حرير الجنة. شو كيف بدك الترجمة هاي صاحبنا بابلون؟ عليها شنو؟ بابلون, est-ce que tu peux interpréter ça? فراش من حرير الجنة الفرشة تبعه من حرير الجنة okay pass it now I will use Google Translate on va même utiliser Google pour montrer ça and here he continue he said and Muhammad when Jibril he leave Muhammad alone et lorsque Jibril a laissé Muhammad seul when Jibril leave Muhammad alone lorsque Jibril a laissé Muhammad seul and Muhammad become lonely Et Muhammad il s'est retrouvé comme s'il était solitaire. And he came to near the door. Et il s'est approché de la porte. And he heard a voice from Abu Bakr. Et il a entendu la voix de Abu Bakr. Abu Bakr voice. And he said, "Stop. Stop. Your Lord praying. Inna rabbaka yusalli." Il a entendu la voix qui lui dit Arrête-toi, arrête-toi. Ton Seigneur est en train de prier. Your Lord praying. Inna rabbaka yusalli. Your Lord praying. Ton Seigneur est en train de prier.
And I think Muhammad is speaking here. Et j'ai pensé, là, c'est Muhammad qui parle ici. And I thinking in myself. Et j'ai pensé à moi-même. What Abu Bakr doing here in this area and how my Lord praying. Et qu'est-ce que Abu Bakr est en train de faire ici? Et comment est-ce que mon Seigneur est en train de prier? And I said in myself. Et je me suis dit à moi-même. That Abu Bakr came before me. Donc Abu Bakr, comment est-ce qu'il est arrivé ici avant moi? And how my Lord pray and he is rich. Et comment est-ce que mon Seigneur lui-même est en train de prier? Si. Voyez-vous? Allah is praying physical prayer. Allah est en train de prier d'une manière physique, une prière physique. So when Allah in Quran said إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Lorsque le Coran dit que Allah et ses anges sont en train de prier sur le prophète, tout ça, surat 33:56, ce qu'il est en train de dire. Meaning physical prayer. Cela veut dire c'est une prière physique. إن الله. Allah. A praying physical prayer. Elle a prié une prière physique. So when Allah said, lorsque Allah est en train de dire, la sourate 33:56, écoutez le verset en arabe. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal lazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. In meaning, ça veut dire, physical prayer. Une prière physique. Allah is praying physical prayer to Muhammad. Allah est en train de prier d'une manière, une prière physique sur le prophète Muhammad, le prophète des musulmans, leur prophète. Why? Because what, for which reason Abu Bakr to stop it Muhammad to enter inside? C'est, quelle est la raison pour laquelle Abu Bakr a stoppé que Muhammad puisse entrer dans cette maison-là? Pourquoi est-ce que l'avocat l'a sauvé pour ne pas entrer à l'intérieur? Allah is praying physical prayer to Muhammad. Why? Because what, for which reason Abu Bakr to stop it Muhammad to enter inside? Because Allah is praying physical prayer for didn't cut off his prayer. Puisque Allah est en train de prier de manière physique pour le prophète Muhammad. So, no Muslim scholar can explain how is Abu Bakr there? Even before Muhammad got there. Donc tu veux dire aucun savant de l'islam n'est capable d'expliquer que faisait Abu Bakr là avant même que Muhammad ne puisse arriver là. C'est ça? Yes. Non. Personne ne peut expliquer ça. Oui. No one answering. Personne n'ose répondre à ça. L'histoire de, c'est ça l'histoire complète même de l'ascension de Muhammad, le mirage, lorsque Muhammad était parti au ciel. Soi-disant, c'est ça l'histoire, mais ils ne savent pas expliquer ça. No one. And no Muslim mentions. Personne. That Abu Bakr was already there before Muhammad got there. See, no one mentions this. Et personne ne parle même de ça, que Abu Bakr était déjà là avant même l'arrivée de Muhammad. Non. Non. Tous ces gens-là n'expliquent pas ça. Thanks for watching. Ah, vraiment, merci, c'était très bon. Tous ceux-là qui veulent débattre avec nous, ils sont les bienvenus. Shalom à tous. Là, c'est notre numéro. Entrez en contact avec nous.